Salut à tous les amis, ici Fantu débute au combat à main nue, plus connu sous le nom de Fanta, et c'est aussi Fantu kiffe ta mère, ta race hein, plutôt, parce que maintenant moi je suis un rebelle, et je vous présente donc Fanfan Tasio, le poids lourd, alors le poids lourd qui est pas très fort mais qui commence à se défendre. Avec ce jeu UFC 2 que je joue sur PS4, puisque malheureusement c'est une exclusivité console, donc j'ai dû le prendre sur console, mais je suis pas déçu parce qu'au niveau des performances, c'est vraiment un jeu vraiment sublime à voir, et je propose aujourd'hui une petite vidéo découverte, même si vous connaissez probablement la licence UFC mieux que moi, même si probablement vous êtes meilleur que moi. Aujourd'hui on va faire de la merde, avec ma petite carrière. Je viens de finir mon personnage et j'en ai fait un truc pas trop moche. Donc c'est plutôt un latino vraiment violent, tandis qu'a priori debout j'ai un petit avantage sur mon prochain adversaire. Les quarts de finale, le but est de rentrer dans les UFC. Pourquoi? Parce que je veux modifier mon personnage et je ne peux pas pour modifier mon personnage, puisqu'en fait je l'ai mis poids lourd et je regrette vraiment. Les poids lourds traînent leur carcasse, c'est assez hallucinant. Alors bien sûr les combats peuvent aller très vite, mais vraiment c'est lent, et je pense que pour le peps un petit peu, j'aurais préféré avoir un autre personnage un petit peu plus léger, mais c'est pas grave, et ça me pousse en fait à aller un petit peu plus loin dans l'aventure. Alors les amis, aujourd'hui je vais dans mon combattant continuer l'entraînement, bien sûr, parce qu'il va falloir que j'améliore. Faut que je vois mon adversaire déjà. Mon adversaire est un général au clinch 74, au sol 75 et en général 68. C'est bien meilleur que moi. Donc je vais aller dans le camp d'entraînement et essayer d'augmenter un petit peu tout ce bordel. Donc déjà par exemple dans les tactiques de défense, je pourrais prendre un petit peu plus au blocage, ça pourrait être sympa. Je pourrais beaucoup améliorer mes vitesses de frappe, c'est vrai que je me traîne. Et on va faire ça ensemble. Meilleur rang B. Ah mais je l'ai déjà fait. Ça peut s'améliorer, mais je l'ai... Ah d'accord. Avec un peu de fion, je peux y arriver. Ok. Ouais, c'est bon, je fais face. Hein. T'as vu? Déjà, j'ai bien vu qu'il allait me prendre à la gueule. T'as vu ça? Ouais, n'est-ce pas, hein? Ah ouais, c'est bon, ça. Regardez le Tasio. Tasio, c'est pas un nom de combattant, ça? Oh non! Ok, c'est bon. Quoi? Essayez. On peut faire mieux. Avec un peu de fion. Ouais, c'est ça, c'est ce que je me dis. Mais non! Tiens, c'est qu'ils sont lents! C'est que c'est très difficile, tu vois, de faire ça, ça vient pas tout de suite. Ah si, peut-être. Ah, bien, c'est bon. Je peux faire mieux. Bon, en même temps, c'est vraiment pas là que j'ai à améliorer le truc. Mais oui, j'ai bien compris. J'esquive rien, et ta gueule. Ouais, c'est pas ça. J'ai déjà mon meilleur rang. Je pense qu'on va rester là, continuer. Je peux pas. Je pense pas faire mieux sur ce. Il y a une part de pif, en tout cas, moi, selon mon point de vue. Par contre, je retourne au camp d'entraînement et il faut vraiment que j'améliore. Debout entraînement, les frappes rapides. Je suis vraiment mauvais. Et en difficile, on va voir ce que ça donne. Allez, je peux vraiment améliorer, c'est très dur. Hein. L2X, ok. Ouais, d'accord. Ah putain! Je confonds L. Non! Est-ce qu'il y a moyen de recommencer, s'il vous plaît? Ok. C'est bon. Et Bobou, je ne te permets pas de péter. Hop. C'est bien. Non, mais là, c'est foireux! Mais L1. Oh, putain, le mec n'a pas habitué de la manette. C'est pas mal. Je réessaye. C'est en difficile. Hein. Le but, c'est d'avoir maximum de points. Le problème, c'est que je confonds les gâchettes. Voilà, c'est bien, c'est ok. Ok, ouais, d'accord, mais vas-y, annonce. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait quelqu'un qui me le dise à haute voix. Il me faut un autre coach. Hop. Oui, c'est bien, premier coup. Oh putain! Voilà, c'est bon! Ouais! Wouhou! Simulation d'entraînement, alors je sais pas. Ça le termine. Je crois que ça valide en fait. Et ça j'aime bien.
Ouais, très bien. Donc j'ai augmenté un petit peu. Je retourne dans le camp d'entraînement. Je vais ensuite debout. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? Frappe rapide, c'est fait. Je peux améliorer avec les sacs lourds, les mains. Ah, j'aime bien. On va améliorer parce que le but, ça pourrait m'augmenter mon niveau. Regardez, hein. Regardez mon niveau Ok, d'endurance. alors je vais te demander d'envoyer certaines frappes avec tes poings à certains Ah, endroits du L2. sac et ton D'accord. boulot, c'est pas de te tromper. On y va? Ah, d'accord. Ah non. T'es sûr de ton coup? Non, bah non! Putain, il Ah. faut être super fort! Je veux pas te voir utiliser tes jambes. La Ah ouais, raquette en d'accord! face est ratée. Ok, d'accord. Concentre-toi, c'est pas ça. C'est ça, bien visé. En même temps, il faut que j'utilise l'endurance au maximum. Ah, Tu l'as d'accord! loupé. Non, c'est pas là. Ok, j'y arriverai le prochain coup. Donc en fait, L2 te permet de taper au corps. Oula, je m'attendais à mieux de ta part. Ouais, Quand t'es capable attends, d'être mais aussi attends, c'est technique la que toi. première fois que je fais, tu crois quoi, moi? Allez. Yes, c'est bon ça. Ok. Exactement ce que je voulais. Ok, tu me dis quand il faut que je frappe au corps. Je vais reprendre un peu. Hein, hein. Bien joué, bien visé. Bien, bien. Tu veux les points? C'est ça que tu veux? Tu veux les points? Tu veux les points? Allez, on tape en Tu haut. l'as bien compris. Ouais. Le score est plutôt pas mal. C'est pas la cible. Ouais, non mais attends, c'est bon, tu Ouais, viens de je savais. changer. Ok. Bon, alors là, je suis pas très content. Tu as bien Quoi? passé tes techniques de frappe. Non, on va refaire, on va refaire. On va surtout pas se fatiguer avec des petites frappes. Pourquoi les petites frappes? Parce que Ouais, les petites c'est frappes permettent. absolument pas ce que j'ai demandé. Ouais, en fait, il faut vraiment anticiper. C'est presque ça, mais en même temps, pas du tout. Oh putain, comme il me parle mal! Attention, hein, je tape moi! L'endurance, bien sûr, en chie, Bien, hein. Je... continue à t'appliquer comme ça. J'ai pas dit de frapper là. Ah, en fait, faut vraiment que j'anticipe. Super, continue à gérer. N'importe quoi. Alors, je fais tout ce que je peux pour taper au bon endroit. T'es sûr que t'étais avec moi sur ce coup-là? Mais Ça manque oui! au On moins réessaye, on d'endurance. réessaye! On va voir si tu peux faire ça. Je te donne des indications et toi tu les suis sans te tromper. On essaye? Bien visé. J'y vais doucement, pourquoi? Pour l'endurance en fait. Super, continue comme ça. Parce que l'endurance prime. C'est exactement ce que je voulais voir. Et d'ailleurs, je peux même pas le réussir ce truc en bon. Faut juste que je me plante pas. C'est ça, bien visé. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Réagis plus Merci, vite et pas tu peux mal. faire mieux. Simulation. Eh, réagir plus vite, moi je suis un gros tas de graisse. Mon perso il vient de naître quoi, je suis sorti en même temps que Bambi, j'ai juste eu la thèse du Mericano, hein. J'ai pas la force. Ok, on va... Ah putain, on n'a pas le choix, on a suffisamment d'entraînement, il va falloir passer au combat. Donc là pour là c'est l'heure de la gloire du Fanta ou de sa misère, on va quand même essayer d'y arriver dans cette vidéo découverte. Il y a énormément de modes de jeu sur ce jeu. Je suis vraiment déçu qu'il soit pas sur PC, mais bon écoute, en plus ça me fait chier parce que Bob lui il l'a sur Xbox et moi j'ai sur PS4, tu vois le drame le plus total. Oh putain, un CAF! Oh non, des gonzesses! Oh putain, il y a toutes les couleurs, il y a tous les sexes! Ils sont dangereux! Oh mon dieu, ça y est, c'est le défilé des gros culs. Ok. Ça envoie la patate. Et la vidéo, ça fait pas longtemps qu'on l'a commencé. On va peut-être même pouvoir faire deux entraînements de combat. Ouais. Oh putain, j'ai l'air dangereux. Oh, le genre de mec que t'as pas envie d'affronter, quoi. C'est ça qui est bon. 120 kilos de graisse. Fanfantasio! Wouhou! Fantasio. Ok, c'est parti. Maintenez L2. À chaque fois, j'oublie, je mets directement une pêche. Là, cette fois-ci. Allez, viens-y. Touche, touche, touche. Ouais, c'est bien. Il a l'air un peu rapide. On va un peu le fatiguer au niveau de la tête. Ok. Il a l'air un peu rapide. Vas-y, tu veux quoi? Tu veux quoi? Ouais, un petit, tu percutes, t'aimes ça dans ta gueule? Ok. On va le fatiguer un peu au niveau de la tête et on va le foutre au sol, ce petit enculé. On va récupérer, on va le fatiguer plus que ça au niveau de la tête. Alors, je suis un kickboxer en théorie, hein, kickboxer bien gras du bide.
Ah ouais, t'aimes ça. Et un petit uppercut. On va le faire saigner. On va le faire saigner, ce petit enculé. Ouais, ça gicle, hein. Ça gicle, alors maintenant. Allez, vas-y. On va le foutre à terre. Ok. On va se mettre en position haute. Posture haute. Posture haute. Side control. Hop, putain, l'enculé. Enculé. Side control. Oh putain, c'est pas vrai. Half guard. Ah, il a plus full guard. Il m'empêche de le faire, ce petit enculé. Ok, ça va pas aller. Full guard pour moi. Ok, ça va passer. Non, pas relèvement, pas relèvement. Full guard. Relèvement, ah dommage. Oh, il faut que je le fatigue plus en fait. Ouh là 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 là. En fait, je me suis fait baiser là. Puisqu'en fait, je voulais l'achever au sol, mais il est pas assez fatigué. Il est pas assez fatigué. Oh, dommage. Ah ouais, t'aimes bien le petit uppercut là? Tiens, regarde. Tiens, pas mal ça. Un bon direct. Ça va gicler là dans ta tête. Attention. Allez, vas-y, attrape-le. Attrape-le. Fous-le à terre. Posture haute, posture haute. Et on tape dans sa gueule. Tape dans sa gueule. Ah putain, non. Mais quel abruti. Allez, on va le retourner. Back sitting. Et on va lui taper dans le crâne. Vas-y, tape. Vas-y, tu peux le faire. Fanta, tu peux le faire. Allez, relèvement. Mais non, je veux pas me relever en fait. Back sitting, ça me va. Ça me va parce qu'il faut que je tape dans la gueule. Tape lui dans la gueule. Ah, ça gicle, c'est énorme. Ok. Alors, s'il y a, c'est que si on va pas au sol et qu'on les finit pas à gros coups de pêche dans la gueule, c'est très difficile. Quoi? Hein? C'est ça que tu veux? C'est mon petit point dans ta gueule? Hein? Ah, il esquive bien. Ok. Allez, on va te faire tomber. Allez, c'est bon, il tombe. Allez, posture haute. Allez. Tiens, t'aimes là la droite. C'est pas mal la droite. Posture haute. On y va. Allez, on y va. C'est bon, lui, là, il va pas s'en remettre. Hein. Alors, j'ai vraiment plus de stamina, mais en fait, je lui mets tellement la misère. Non. Ok, on y va. Il va pas me bloquer souvent. Allez, tape lui dans sa gueule. Ah putain. Side control. Oh putain, il me bloque. Oh putain. Oh, il m'a niqué. La revanche sera terrible. Ah, j'ai été mauvais. On va continuer. La faiblesse d'Infanta. Mais je ne vais pas rester là, les amis. Je ne vais pas rester sur une défaite. Puisque je ne sais pas jouer au jeu. Mais je suis motivé. Alors. Moi, j'ai fait quelques parties qui duraient 100 ans. Mais c'est clairement au sol qu'on va trouver la solution à nos problèmes. S'il y a, c'est que c'est pas évident d'avoir match quart de finale. Est-ce que je peux modifier? Non, je peux pas. Hein. Combat. On va... je sais pas si j'ai bien fait de simuler l'entraînement du coup. Après, j'ai pas pu aller plus loin, je crois. On va voir. Mais je crois que c'est ça qui valide, en fait. C'est ça qui valide ton score. Si j'ai bien compris. Oh, putain, c'est direct. Ah, c'est la revanche. Allez, on va la jouer fair play. C'est peut-être ça qui m'a fait perdre. Allez. Allez, petit direct dans sa gueule. J'aime bien le petit direct parce que il prend pas beaucoup de stamina. Bon, en même temps, je vais vous dire. J'aurais bien pris un uppercut. J'aurais bien mis un uppercut dans sa tronche.
C'est pas mal le percute, mais pas s'il est loin. Comme ça, là, là c'est bien. Alors, je suis pas un boxeur, je suis un kickboxer. Donc, vas-y, boxe. Boxe du kick, bordel. Ouais, c'est bien ça. Allez, et après, t'enchaînes avec des petits points. Ok, c'est bien de stopper parce que là, il est vraiment mal. Là, sérieusement, il saigne sa race. Il saigne sa race. Fanta, Tazio. Oh, Tazio, te laisse pas démonter, bordel. Tape. Arrête. Tu te fais du mal. Tu te fais du mal. Il se remet complètement de la situation. Oh putain, par contre, lui, il perd du sang. Ouh là là, il est faible, hein. Là, ça lui picote un peu au niveau du crâne. Je pense que je pourrais vraiment lui mettre la misère, en fait. Je crois pas qu'il va s'en remettre. Un petit uppercut et il est mort, hein. Oh, oh putain, je l'ai laissé reprendre. Allez, putain, Tazio. J'aime bien l'appeler Tazio. Ah là, putain, Tazio. Ok, alors on va le foutre à terre et on va essayer de taper. Hop, posture haute. Allez, putain, tape. T'as plus de stamina, mais tu peux le faire. Ok. Allez, ça picote un peu au niveau de la tête. Posture haute. Laisse remonter la stamina, c'est bon. Hop, posture haute. Reste là. Tape. C'est bien le coude. Posture haute. Un petit LR. Posture haute. En fait, c'est la stamina qui me manque. Oh putain. Allez. Posture haute. Est-ce que j'ai gagné? Non, je crois pas. Oh putain, il a pris cher. Ah, je suis désolé. Oh, la tronche du mec. Ok. Ok. Ok, c'est ça, ça te fait plaisir? Ça te fait plaisir? Ok, t'es content? T'es content? Je vais un petit peu insister au niveau de ta tête parce que je crois que ça va pas trop. Ça te dérange pas? Tiens, d'ailleurs, ça peut être pas mal ce petit coup là. On l'anticipe. Ouh putain, c'était beau ça, hein. Bel enchaînement de Tazio. Tazio qui bloque, qui met deux petits coups. Un petit uppercut. Non, ça ne passe pas. Tazio bloque. Tazio. Mon double, c'est mon double mexicano, Tazio. Si j'étais mexicano, je serais comme Tazio. Ah, ça fait mal un peu. Un peu au niveau de la tronche, à vous. À quel... Oh, I'm the winner. Putain, là, il a... Voilà, c'est bon. Qu'est-ce que tu peux faire contre la puissance d'un Tazio? Si toi aussi tu veux revoir le Tazio en action. Et peut-être un peu dans les poids un peu plus légers parce que c'est 120 kilos, on les sent trop passer. Ça serait bien d'aller un peu plus loin et d'être enfin embauché. Le gars, il va s'évanouir à l'UHC. Il pleure sa maman. Tu peux rien contre la puissance du Mericano. Tazio le Mericano. Ok, j'ai gagné bien sûr. Hein. Continuez. Du coup, c'est toujours les préliminaires et je ne suis pas embauché dans l'Ultimate Fighting. Peut-être que si. Quart de finale. Tazio Wilson. Ok. Oh mon dieu, Gonzalez, les amis. Ça donne envie de l'affronter. Cette tronche. Mais je dis cependant que c'est l'occasion de se retrouver dans un futur épisode pour affronter Gonzalez.
Gonzalez qui a une belle tête de redneck. Donc les rednecks, si vous connaissez pas, c'est les ancêtres de MacGyver. Ils ont des tronches de cake. Ah, et j'ai pas beaucoup augmenté. Est-ce que dans mon combattant, j'ai rien gagné du coup? Si, général, mouvement. Qu'est-ce que je peux améliorer? J'ai aucun point d'évolution en fait. Je gagne juste un peu d'endurance. C'est ce qui est très con. C'est très con au stade où j'en suis. C'est vraiment les débuts du début. Les atouts. Pour l'instant, j'ai que dalle. Donc c'est même pas la peine. Ça fonctionne exactement comme Punch Club. Hein, sauf que c'est toi qui maîtrises tes coups. Et les attributs, laisse tomber. Et modifier, toujours pas avant d'avoir rejoint l'UFC. Je suis condamné avec le Tazio. Alors, offre de combat. Regardons quand même le Gonzalez. Qui est quand même épique. Hein, dans son... Ah non. Ah bah oui. Oh, Gonzalez. Tout le monde veut me voir niquer Gonzalez et gagner la finale et enfin rentrer dans l'UFC. Et pour ça, les amis, je vous donne rendez-vous dans un futur épisode. Et oui, c'est la hype. Un mec comme ça, c'est la méga hype. C'est obligé, quoi. Comment on va lui niquer sa gueule? Debout, il ne tient pas. Par contre, au sol, il est vachement fort. Un petit peu d'entraînement et ça devrait bien passer. En attendant, rendez-vous dans le prochain épisode. C'était Fanta.